Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous simplement et activez la cloche de notification pour être toujours les mieux informés. Bien sûr, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Point, Yolande Baudion est de nouveau en deuil. L'animatrice et entrepreneur média a perdu un de ses fils Patrick, son second fils n'a que 15 ans. La PDG de Maraboud va annoncer dans une publication, il y a quelques heures, que son fils Franck Nougoun, âgé de 15 ans, est mort. Dans la publication, l'entrepreneur explique que son enfant, qui n'avait que 15 ans, est mort des suites d'une très courte maladie. Pendant ce temps, Seigneur, deux enfants en 0-6 mois. Ngou Franck est parti à 15 ans ce soir, 0-3 jours de maladie, pour retrouver son frère aîné Patevan. Que ta volonté soit faite Seigneur, écrit Yolande Baudion sur sa page Facebook. La mort du petit Franck survient en effet, 5 mois après le décès de son frère aîné Patrick Nougoun, qui travaillait avec Yolande Baudion. L'acteur des médias connu sous le nom de Patevan, est décédé début mai 2022 à l'hôpital général de Douala. L'information avait aussi été révélée par Yolande Baudion. Et ils t'ont tué mon fils. Hôpital général de Douala, pavillon médecine. Non mon fils. Non, avait écrit Yolande Baudion dans une publication sur sa page Facebook. Abonnez-vous simplement et activez la cloche de notification pour être toujours les mieux informés. Bien sûr, vos commentaires sont toujours les bienvenus.